Salut à tous et bienvenue sur Old School Modulation. Un grand merci à tous les internautes qui ont partagé la chaîne. Nous sommes presque arrivés à 100 abonnés. En même pas un mois, franchement, je trouve ça super. Un grand merci à tout le monde. Donc du coup, pour ça, je voulais vous faire une spéciale. On va faire un tutoriel sur les platines. Et du coup, on va changer les RCA et la plaque derrière. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est nickel. Et au moins, vous pourrez le faire vous-même facilement. Quoi. Voilà. Donc on va commencer le tutoriel. Nous allons donc commencer par enlever la feutrine. Et ainsi que le plateau. Donc pour le plateau, vous prenez comme ça, les deux doigts dedans. Et après, vous tirez. Tout simplement. Donc là, on a accès à la partie intérieure de la platine. Qui n'est pas très propre d'ailleurs. Donc en même temps, on pourra faire un coup de ménage. Du coup, le mieux, là, c'est de remettre le capot et ensuite de la retourner pour enlever les vis. Donc, on va mettre le capot. Et on va passer à la pratique. Une fois que la platine est retournée, je vous invite à enlever les pieds. Donc, faites attention, essayez de rester organisé et mettez vos vis et vos pieds à un endroit bien précis. Comme ça, ça vous évite de chercher. Et puis, ça évite de perdre des pièces parce que c'est quand même une machine de collector, donc il faut éviter de perdre des pièces. Pareil, si vous utilisez la visseuse, se mettre sur les premières vitesses. Ne jamais se mettre en mode vissage, bien sûr, en première ou en 3. Après, avoir selon la puissance de votre machine. Normalement, ça devrait suffire. Voilà, vous voyez. Hop, et on gagne du temps. Donc voilà, il y a 22, je sais plus exactement, 23, 22 vis ou 23, j'en doute. Et ensuite, on enlève cette partie. Hop. Mince. Il faut faire délicatement parce que ça peut partir d'un coup. Donc c'est en plastique assez rigide, un petit caoutchouc, donc ça va. Donc le mieux après, une fois qu'on enlève le dessus, c'est de ne pas abîmer les câbles et de faire attention. Donc vous posez comme ça sur une surface plane et vous faites super attention. Donc là, si je démonte, c'est parce que les soudures n'avaient pas été bien faites et les plaques étaient, on va dire que le circuit était abîmé. Donc en situation de soirée et tout, ça peut ne pas le faire au bout d'un moment, donc vaut mieux pas tenter le diable. Je vous invite à prendre un tournevis pour dévisser cette partie. Donc ça, c'est le serre-câble, ce qui sert à éviter que les câbles s'arrachent si on tire sur les câbles. Ensuite, on dévisse ces deux vis là, ensuite on fait ces deux là. Et on va arriver à la partie intéressante. Une fois que le matériel est préparé, c'est-à-dire fer à souder, étain, petite éponge pour nettoyer la panne du fer à souder, une petite loupe troisième main, qui est vraiment pratique, et puis une petite pince coupante aussi pour pouvoir couper le petit collier qui est là. Donc on va commencer. Voilà, donc on coupe le petit serflex qui est là. On peut tirer les câbles. Après, vous voyez les petits câbles qui sont là. Le mieux, c'est de prendre une photo avant de les dessouder. Parce que si vous vous trompez de sens, eh ben, ça va pas aller. Donc le mieux, c'est de bien prendre en photo et ensuite, normalement, il n'y aura pas d'erreur. Donc là, vous voyez, les soudures, elles sont pas très très belles. Enfin, moi, ça me plaît pas. Donc on va tout dessouder. Et puis, comme du coup, j'ai les deux pièces, là, je vais en profiter pour la changer. Donc on prépare le fer à souder. Et puis on y va. Ouais, ils sont bien soudés. Ah, ça commence.
commence à venir. Il faut faire attention de pas... Oui, c'est bien celle-là. Elle était un petit peu abîmée, donc... Voilà. Donc ensuite, la deuxième. Faut attendre, faut pas être trop pressé. Vous voyez, ça fond. Tac. Pas tirer trop fort non plus, ça peut arracher les circuits. Après, si ça se décolle vraiment pas, vous pouvez faire fondre de l'étain dessus, une goutte, et comme ça, ça va le réchauffer beaucoup plus vite et ce sera plus facile à enlever, si vraiment ça ne s'enlève pas. Donc, vous voyez là, le circuit il est tout abîmé. Là. Donc voilà, c'est pour ça que je change aussi. J'avais complètement oublié ça. Et du coup, ensuite, on enlève les petits fils. Donc, le bleu, on attend gentiment. Et on enlève. Pareil. Ne pas être trop rapide, être pressé, il faut prendre son temps. Voilà. Ensuite, le quatrième. Et on recommence. Et le petit dernier. Et voilà, c'est terminé. Ensuite, on nettoie sa panne de fer à souder. Alors attendez, je vais essayer de baisser la lumière un peu parce que je vois que là c'est un peu trop clair. Ah, ce sera mieux. Donc voilà pour la soudure. Ensuite, donc on prend un tournevis. Voilà. Et on enlève. On fait attention de ne pas perdre la petite rondelle juste en dessous là. Donc ça c'est la masse qui se met sur la table de mixage. On met la vis comme ça. On la met dans le petit trou là. Et comme... Ah bah non, là ça veut pas. On la cale là, et comme ça il n'y a pas de problème. Donc ensuite, on dévisse cette vis. Et on va prendre les nouvelles plaques. Une fois que la plaque est dégraissée et propre, vous pouvez la remettre en place. Donc on va la mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Hop. Donc on met la vis, on prend le tournevis, c'est mieux. Il faut bien la remettre en place, c'est un peu pénible. Et pas trop serré non plus, ça sert à rien. Parce qu'après il va falloir la caler comme un vinyle. Non je déconne, mais ouais, il faut que ce soit parfaitement bien dans l'axe. Sinon après ça fait pas du bon travail. Donc du coup on remet ça là comme ceci. Et on revisse gentiment pareil. Parce qu'on peut abîmer le circuit. Là c'est pas mal, vous voyez ça bouge plus. Donc ensuite on va commencer à ressouder les fils. Ce que je vous propose c'est de bien nettoyer le fer. Donc pour les styles d'étain, vous pouvez prendre de l'étain traditionnel, étain, voilà, enfin c'est pas terrible, moi je préfère celui avec un peu d'argent dedans. Il est plus dur, il est moins mou, et du coup au niveau des soudures, je trouve qu'il est, bon, il est plus chaud à mettre en place, mais il est vraiment mieux quoi. Donc après je sais pas si ça change vraiment quelque chose au son, mais je trouve que c'est mieux de mettre ça. Donc là on va faire fondre un peu d'étain sur chaque... petit slow, tac. Et après, une fois qu'on a bien repéré la couleur des fils, ça va assez vite. Donc vous voyez, vous mettez juste une goutte. Il n'y a pas besoin de faire des pattes de mouche. Puis, ce sera pas joli au visuel. N'hésitez pas à en mettre quand même. Hop, voilà. Là, vous pouvez en mettre un peu aussi. Tac. Et vous, s'il en manque, après, vous pourrez réajuster. Mais il faut quand même un bon fer de bonne qualité pour pouvoir mettre de l'étain comme ça. Parce que c'est un étain qu'il faut chauffer au moins près, pas loin des 300 degrés. Donc, ça demande beaucoup de puissance.
Donc voilà, une fois que les soudures sont faites, je vais commencer à préparer les câbles. Une fois que vos câbles sont dénudés, vous prenez votre fer à souder. Mais il faut bien qu'il soit propre, tu vois, bien soudé au bout. Tu prends un peu d'étain comme ça. Tu vois, tu fais une petite perle au bout. Et après, tu l'appliques en dessous et en haut. Ça te permet au brin de ne pas se disperser et de faire un travail efficace. Donc, avant de remettre les câbles, nous allons donc souder les 5 petits fils. Donc on va commencer par le bleu. Hop, vous restez une seconde et normalement il est pris. Après c'est blanc. Tac, rouge, le blanc rouge. Énorme. Allez, pas évident. En fait, là, ces fils-là, ils sont moins évidents à mettre en place de retour. Comme il y a moins de place, c'est pas évident. Mais c'est faisable. Donc ensuite, je crois que c'est le marron. Enfin, c'est même sûr. On va le refaire passer dessous. Oui. Ah, lui. Il a pas envie, hein. Ouais, il était bien dessoudé, lui. Il s'est dit, ah, oh, vas-y, je vais prendre des vacances. Non, non, mec, tu vas pas prendre des vacances. Oh, mais what the fuck? Ah, voilà. Donc ensuite, voilà, le dernier, c'est le petit de masse, qui est très important. Donc en fait, si vous oubliez de ressouder ce fil noir, vous allez avoir des soucis de masse. Si vous oubliez de remettre le marron, vous allez avoir une voix en moins. Et pareil, si c'est un bleu ou un blanc, et si vous oubliez un marron et un bleu, et vous n'avez pas de son. Donc ça, au moins, c'est simple. Donc du coup, voilà, on va mettre en place donc les câbles. Je vais commencer à les dénuder, donc vous prenez une pince. Et puis vous les décortiquez. Bon, c'est assez long, donc je vais couper et puis on se revoit tout à l'heure une fois que c'est fait. Quand vous allez commencer à ressouder, pensez à commencer par le moins ici, c'est-à-dire la tresse de ce câble là. Vous voyez, ce sera pas le rouge. Le rouge va sur le plus. Et s'il y a un blanc, un rouge et une tresse, vous mettez le rouge et le blanc ensemble. Ça marche très bien. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui diront qu'ils préfèrent autrement, il y en a d'autres qui diront en deux fils c'est mieux. Personnellement, c'est du câble Albedo MK2 de chez Sommer Cable et c'est vraiment une tuerie. Donc je vous le conseille fortement d'ailleurs. Ça vous fera des câbles audio de très haute qualité pour vraiment pas cher, quoi. Donc on va commencer à présenter la masse, la tresse du coup au moins. J'espère que je vais réussir à le faire en live. C'est bon, on va attendre un petit peu. Surtout ne pas trop manipuler le câble, parce qu'on peut arracher la piste en fait. Donc là, on y va pour le plus. D'où l'intérêt de mettre un peu d'étain avant. On attend un petit peu. Donc pas trop manipuler le câble trop fort, ce sera pas bon. Donc là vous attendez un peu et ensuite vous reprenez un peu d'étain. On va nettoyer le fer avant. Prenez de l'étain et c'est parti. Et voilà, vous avez fait votre première soudure de câble. Donc à mettre un peu en retrait, voilà, comme ça. De toute façon, il a déjà pris la forme avec le collier. Une fois le deuxième câble RCA préparé, vous pouvez donc le mettre en place. Alors,
ce sera normalement plus facile que l'autre. On attend bien que l'étain fonde, comme tout à l'heure. L'avantage avec l'argent, c'est qu'il colle très très vite et du coup il est ultra résistant même s'il n'y a pas beaucoup d'étain, et c'est très pratique. Du coup après on peut revenir avec un tout petit peu dessus et ça colle direct. J'ai jamais eu de soucis avec celui-là. Ah, celui-là il... j'aurais dû mettre un tout petit peu plus. Ah, il a peut-être pris. Non. Donc on rajoute un peu d'étain. Pareil que tout à l'heure, on fait une boule et on laisse couler. Mais il faut bien attendre qu'en bas ça fonde aussi. Sinon ça va faire une perle et ça va pas être bon. Et là, vous avez fait du bon boulot. Donc ensuite, voilà, on va remettre les câbles en place. Une fois que vous avez trouvé un collier, vous le pliez comme ça. Vous voyez ? Et vous le mettez dans le bon sens, bien sûr. Une fois qu'il est bien repassé, vous pouvez donc le reprendre en faisant attention de ne pas mélanger avec des petits fils. Donc là, bien sûr, essayez de trouver un collier plus gros que ça, parce que moi, j'avais que ça là sous la main. Donc, mais bon, ça devrait faire l'affaire. Je vous redémontrerai plus tard pour pouvoir changer ça. Ouais, il est bien. C'est pas mal. Donc voilà. On va remettre le petit fil bleu avec ses copains. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez vraiment fignoler, vous pouvez repasser un petit coup sur les soudures pour les mettre bien. Nettoyer le fer avant. Là normalement ça bougera plus. Si vous voulez faire de belles soudures, vous repassez un petit peu dessus. Vous refaites bien couler l'étain. Et ça vous fera de belles soudures. Plus professionnel. Alors faut pas trop s'amuser à chauffer non plus. C'est pas conseillé. Les circuits en général n'aiment pas trop quand c'est trop chaud. On va refaire un peu celle-là. Je crois que là on est pas mal du tout. Une fois donc que tout est terminé, vous tirez délicatement les câbles et vous faites passer ça. Donc vous voyez là il y a les petits points et là il y a les petites attaches qui vont dessus. Donc bien le caler. Pas trop forcer, ça sert à rien, mais plutôt essayer de bien le caler, c'est ça le plus important en fait. Voilà, là il a claqué un petit coup là et c'est bon. Donc là après on remet le petit plug là. On passe bien là, celui-là est pas trop d'origine, enfin il y a une plaque qui est partie d'origine, il y a un autre petit bout qui va dessus, mais apparemment il a été ôté. N'hésitez pas à prendre votre temps, pas trop être pressé, ça sert à rien. Mince. Une fois terminé, je vous invite à remettre les carénages en place, ainsi que de bien les caler dans les coins là, parce que ça, des fois ça se met pas très bien. Et ensuite vous revissez tout doucement, gentiment. Et à la fin, je vais vous montrer comment ressouder ces câbles là. Pour avoir les RCA au bout. Donc c'est parti. Une fois que vos câbles sont prêts, c'est-à-dire bien dénudés comme tout à l'heure, je vous invite à prendre le fer à souder et pareil, remettre des gouttes d'étain afin que les brins se séparent pas. Surtout que sur le summer câble, les brins se séparent très très facilement. Donc c'est vraiment vivement conseillé de mettre un peu d'étain au préalable. Et je vous conseille vraiment l'achat de Pixar là, parce que Pixar il est pratique. Ça coûte environ une dizaine d'euros. Hop. Donc. C'est pas mal. Une fois donc que vous avez mis l'étain sur les brins, faut pas oublier de faire quelque chose. Souvent au début on l'oublie, mais
avec l'expérience normalement vous allez pas l'oublier. Vous mettez donc ça dedans, parce que si vous soudez la fiche après vous pourrez plus le mettre, vous voyez, une fois que ça s'est soudé, bah pour le mettre c'est pas possible quoi. Donc voilà, ça là c'est fait, et on n'oublie pas la deuxième, très important. Donc si ça rentre pas, faut le tourner un peu le câble. Mince, vous ne voyez pas. Vous voyez, si jamais ça rentre pas, vous tournez un peu le câble comme ça, voilà, et puis vous le rentrez un peu. Donc ensuite, vous remettez du coup les brins sur Pixar. Voilà. Vous essayez de rapprocher le plus possible, comme ça. C'est mieux. Et puis ensuite, du coup, on va s'occuper du plus important. Donc là, faut vraiment bien être calé quand même. On va prendre le fer à souder. J'espère que je vais réussir à bien l'exécuter devant vous. C'est pas gagné. Donc là, j'ai repris. On va essayer comme ça. C'est pas évident. Je sais pas si vous voyez bien. Donc le brin là, le point chaud qui est là, on le met au milieu là. Donc faut appuyer et attendre un peu. Faites attention de pas vous brûler quand même. Mais normalement au bout d'un moment ça doit commencer à prendre. Et après du coup une fois qu'il est pris, on arrête. Ah non, il a pas pris. Il va peut-être prendre. Faut attendre un petit peu. Là il est pris. Donc ensuite vous reprenez un peu d'étain. On va nettoyer un peu la panne. Donc là il faut bien le faire fondre. Pas très bien mis, je trouve. On peut mieux faire. Là, il est bien au milieu. Là, comme vous pouvez le voir, il est bien pris au milieu. Donc voilà pour le point chaud. Donc là, j'ai recoupé le petit fil de masse. On le voit un tout petit peu. Donc on prend le fer, un peu d'étain. Faut le remettre vraiment à fleur pour pas que ça gêne pour quand on va resserrer le câble. Donc là elle est prise. Le mieux ce serait de faire une goutte assez éparpillée pour pas que ça bloque quand on veut fermer. Donc là elle est bien prise. Donc ensuite on va enlever la pince croco. Donc il y a des petites attaches. Et des petits caches en plastique. Donc on va faire le deuxième. Donc voilà, je représente le câble. On va essayer de faire ça propre. Reprendre l'étain. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ce genre d'étain, n'hésitez pas à reprendre un à l'étain et avec pas trop d'argent. C'est vrai que c'est mieux d'avoir un petit peu d'expérience en soudure avant d'utiliser des étains comme ça, mais ils sont vraiment bien quoi. Donc ensuite on va mettre la masse. Une fois que la masse est représentée, donc pareil, petit bout qui dépasse,
On évite de mettre trop d'étain, ça sert à rien. De toute façon, l'argent est conducteur à 105%, donc je pense que j'ai jamais eu vraiment de problème de parasite. C'est une fois avec un fer à souder qui était pas terrible. Celui-là est vraiment bien. Donc voilà, normalement là c'est bon. Ensuite, on va remettre donc le petit câble, le petit plastique que je vous parlais tout à l'heure. Des fois on n'arrive pas à les remettre, mais c'est quand même conseillé du coup de mettre une gaine thermo à la place là si jamais ça passe pas. Vous avez une super finition, un câble de qualité qui est génial, vraiment vous pouvez y aller, c'est top quoi. Du coup je vais faire la deuxième et puis après on se retrouve pour un essai. Voilà. Comme promis, voici le test. On va essayer de monter un peu le niveau pour tester. Là, j'ai allumé qu'une seule enceinte, donc... Vous voyez, la qualité est vraiment cool quoi. Là je suis à 0 dB avec un filtre. C'est vraiment précis quoi. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner sur Old School Modulation et surtout partager la chaîne. Car plein de musiciens cherchent ce genre de tutoriel et galèrent sur la toile. Donc je vous invite à publier ce tutoriel. Il pourra vraiment aider des gens qui n'ont pas forcément trop de thunes ou qui n'ont pas envie de se faire pigeonner par des pseudo-professionnels. Voilà, salut, à plus !